Salut à toutes et tous, bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant. Nouveau rendez-vous de foot aujourd'hui. Grosse surprise, c'est moi qui vais vous commenter ce match. Dans quelques instants, le coup d'envoi de la rencontre de Ligue 2 BKT. Nous allons suivre ensemble. On sent de la détermination des deux côtés. Hein. Et le public qui entend jouer son rôle également. Qu'est-ce que vont nous réserver ce match? Un bon spectacle, on espère. Découvrons ensemble la composition de l'équipe locale. L'équipe qui va évoluer aujourd'hui en 4-5-1, une seule pointe. La composition de l'équipe visiteuse à présent. L'équipe va jouer en 4-5-1. On va voir comment ce système s'anime. Le coup d'envoi donné à l'instant. Ouverture. Choisit la frappe. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Il se dispute ce ballon. Aldo Kalulu. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. L'arbitre a sifflé, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, l'arbitre qui sort un carton jaune tôt dans ce match. Une manière également de garder le contrôle hein, sur cette partie. À dégager pour écarter le danger. Oui, le centre peut-être. Allez, il peut prendre l'espace là. Très bonne anticipation sur ce ballon. Waouh, bien vu ça. Oh, ça passe à côté, dommage. Henri. Qui se
ballon en profondeur. Ouais, bien joué le gardien, il fallait y aller sur ce ballon en profondeur. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. La remise directe, c'est bien vu. Un centre contré par le défenseur. Ouais, ce ballon qui ne donne rien. L'arbitre qui avait donc sorti un carton jaune. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Un redoublement de passes. Bon, une belle série de passes là. On est en phase de préparation avant de piquer. Bien récupéré, bien joué. Ce ballon qui est récupéré. Bon, c'est un boulevard là qui s'ouvre devant lui. Allez, il est en bonne position là pour centrer. Qu'est-ce qu'il va faire? On cherche une solution. Ouh, ça c'était dangereux, bonne intervention. Allez, peut-être une bonne occasion. Essaye de trouver la faille. L'occasion de prendre l'avantage. On est passé tout près de l'ouverture du score dans ce match. Il s'en est fallu de pas grand-chose. Kaloulou. Et le but, l'ouverture du score dans ce match, 1-0. On voit le but avec la passe en profondeur, bien donnée dans la course. Et face à face qui est remporté grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Donnez 8 pour 1. Fait tourner en attendant un petit décalage possible, une faille dans la défense. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Elle est quand même pas mal privée de ballon, hein, l'équipe visiteuse. Elle n'a pas empêché cette équipe de se montrer réaliste. Elle a l'air de vouloir faire bloc maintenant et de laisser l'adversaire prendre les initiatives. Pas de souci pour le gardien. Oh, elle s'est ouverte un boulevard. Oh, magnifique arrêt. Magnifique arrêt. Quelle présence dans les buts. Quelle occasion. Il cherche le point de pénalty. Corner qui ne donnera rien. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu.
On aura droit à une petite minute de temps additionnel. Armand. Ouais, le bel arrêt magnifique à bout portant. Super réflexe. Un corner, ça faisait longtemps. Et les supporters ont compris que peut-être leur équipe pourrait égaliser là-dessus. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Que va dire l'arbitre qui lui a déjà mis un jaune tout à l'heure? Et on voit qu'il commet bien une faute hein, sur ce tacle. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. Je trouve qu'il fait un bon match, une bonne première période en tout cas. L'effet marquant de sa première période, c'est bien sûr ce but qu'il marque, qui permet à son équipe de rentrer à la pause avec de l'avance. On verra. Allez, les deux équipes qui sont revenues sur la pelouse, c'est parti. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Il faut qu'il centre là. Gardien qui répond au présent sur cette action. Il est vigilant et protège bien son ballon. Il n'y a rien à dire. Donnez huit pour un. Ça part bien, action dangereuse. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Ah, il est un petit peu pris là quand même. C'est récupéré. L'égalisation au bout peut-être. Oh, le plongeon énorme pour écarter le danger. Quelle parade! Attention à ce corner. C'est un corner qui ne va rien donner. On cherche une solution. Ah, on prend sa chance. Mais le but! Oh, et on n'en a pas fini avec eux! On n'en a pas fini avec eux! Ils étaient en infériorité numérique, on les croyait morts. Et les voilà revenus. On va venir à égalité alors qu'on est en infériorité numérique. Ça montre de bonne qualité, de solidarité, de courage. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Le ballon qui change de possession. Le jeu qui se poursuit malgré ce tacle. L'avantage. Est-ce que l'arbitre va sortir un jaune? Changement pour le Pau FC. L'entraîneur a décidé de faire un changement.
qui est dégagé. La faute, carton peut-être. Ah, une passe qui trouvera le gardien adverse. Donnez 8 points. C'était une faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Allez, il y a quelques options là qui s'offrent à lui. Oui, bon ben oubliez ce que je viens de dire. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon? Et c'est sifflé, que dit l'arbitre? Le remplaçant qui se prépare à entrer, mais à la place de qui? Superbe réflexe, superbe intervention vraiment. Mais ce sauvetage n'était pas nécessaire, car il y avait hors-jeu au début de l'action. Donnez 8 points. Votre attention, s'il vous plaît. Je vous rappelle que plusieurs il donne par-dessus. Les passes qui s'enchaînent en espérant trouver l'ouverture. Oh, la faute, oui, pas correct ce tacle. Et l'arbitre, à mon avis, va le sanctionner. La faute au ralenti. On voit le joueur se jeter hein, sur ce tacle. Bien donné en direction de la surface ce ballon. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Un joli petit numéro de tiki-taka. Un mauvais dégagement, mal fait. La passe est interceptée. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Ouais, il a le temps de centrer. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Une solution là. Et le but! Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe en toute fin de match! Et on la revoit sous un autre angle cette frappe. Elle est juste parfaite. Il mène à la marque désormais 2 buts à 1.
Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Le ballon qui change de camp. Bon geste défensif. Ce sera donc une touche. Henri. Aldo Kalulu. Ah ouais, c'est bien fait ça. Et l'arrêt décisif. Oh, il fallait le faire celui-ci. Sinon, l'écart passé à deux buts, c'était impossible de revenir. Ouais, bien tiré ce corner. Et l'attaque se termine, ballon dégagé. Oui, bien fait ça. Plus que 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Allez, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant si l'équipe veut avoir une chance d'égaliser. Le public l'a bien senti. Ouais, bien défendu, bien taclé. Touche à suivre. Ah, il a trouvé son partenaire lancé. Ouais, ça a failli être un corner, mais ce sera finalement une touche. Ouais, touche après un tacle impeccable, hein, soit dit en passant. Attention, il peut centrer là. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Au centre, il y a du monde. Mais non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Oh, magnifique la parade ! Superbe plongeon ! C'était loin d'être évident. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Ouais, la bonne sortie du gardien sur ce corner. Et l'avantage qui n'a pas profité, l'arbitre qui décide de revenir à la faute. Contre qui est maintenant terminé avec cette équipe qui va s'incliner chez elle. L'équipe qui n'a pas fait que de mauvaises choses, hein. Mais c'était insuffisant pour repartir avec un point. Match plutôt bon, hein, dans l'ensemble pour lui. Il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose. Que demande le peuple ? Belle prestation. Avec bien sûr le but de la victoire. Certainement le plus important.